Bonjour à tous, 11e jour de l'Avent. Je vous invite comme chaque jour à respirer avec votre petite étoile tranquillement. Imaginez que quand vous inspirez, ça recharge votre petite étoile et quand vous expirez, tout votre corps se détend. À chaque inspiration, la petite étoile devient de plus en plus grande. À chaque expiration, le corps se détend davantage. Et aujourd'hui, nous allons voir que lorsque nous critiquons les autres, lorsque nous les jugeons, notre petite étoile se cache. Et je vous invite à penser à une situation, une personne, un groupe de personnes, que vous auriez l'élan de critiquer, de dire que ce qu'ils font n'est pas bien ou ce qu'ils sont ne vous convient pas. Pour les enfants, ça peut être quand on a envie de se moquer de quelqu'un. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous pour votre petite étoile quand vous le faites, quand vous imaginez que vous le faites. Parfois, on ne s'en rend pas compte pris dans le quotidien. Mais souvent, quand l'autre est affecté, nous aussi, ça nous affecte quelque part. Nous aussi, ça nous diminue, ça diminue notre petite étoile. On se sent peut-être moins joyeux. On peut observer que ces jugements, ces critiques, elles arrivent à notre esprit toutes seules. On n'y peut pas grand-chose. Mais là où on peut agir, c'est de ne pas les nourrir. Quand on se rend compte qu'on a un jugement pour quelqu'un ou une critique, avant qu'elle sorte de notre bouche, avant qu'elle s'amplifie dans notre tête, on peut juste lui dire « Je t'ai vu », comme si c'était une petite farce. Et on essaie d'avoir à l'intérieur de nous une pensée positive pour cette personne. On essaie de voir quelque chose qui est bien chez elle. Ce que je dis là ne veut pas signifier qu'on ne dit pas ce qu'on pense, pas du tout. C'est très important d'oser dire ce que l'on pense, mais on n'est pas obligé de juger pour dire ce que l'on pense. On n'est pas obligé de critiquer l'autre. Et observez si, pour la même situation, vous essayez d'avoir une pensée agréable pour cette personne ou cette situation. Observez ce qui se passe pour votre petite étoile.
quand on peut transformer nos pensées de jugement, la joie revient dans notre cœur. Alors je vous invite sur cette journée à observer les jugements qui peuvent arriver ou les moqueries que l'on aurait envie de dire. Et grâce à la force de notre petite étoile, essayez de les arrêter avant qu'elles n'arrivent à l'autre. Très belle journée.